Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Alors c'est pas l'épisode 426 que vous deviez avoir normalement, ce sera un autre épisode 426, parce que tout simplement dans le précédent épisode j'ai pété une durite sur le matchmaking du jeu. C'est-à-dire qu'on avait, je sais pas si je mettrai quelques images, mais c'était assez violent, excusez-moi, ça me gratte l'œil. J'ai fait du foam core avec, pour un jeu de société, bon, c'est autre chose. grosso modo, dans notre équipe, en termes de matchmaking, on avait 3 spécialisés dans l'anti-aérien. Donc je parle 3 anti-aériens, boum 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 boum. Avec que ça, 0 ennemi aérien en face. 2 qui avaient des seekers, vous savez, les machins balles autoguidées. Et 1, moi, qui avait à peu près tout. L'autre, je sais plus ce qu'il avait. Les autres, je sais plus ce qu'ils avaient. Bref, et en face, il y avait rien d'inutile. C'est-à-dire que on devait avoir un ou deux... Ah bon? Bon bah écoutez. On devait avoir un ou deux hélicoptères qui devaient faire les anti-aériens. Je crois qu'il y avait un hélicoptère qui faisait anti-aériens en passage. Qui se faisait dégommer par les vrais anti-aériens en face. Enfin, il y avait tout un bordel. Le matchmaking était loupé, mais alors de chez loupé. Hein. Et j'ai pété une durite. Enfin bon, on va repasser à autre chose. Je vais instaurer des règles, chers amis. En tout cas, une règle pour cet épisode particulièrement. Puisque je ne sais pas de quoi sera fait demain, littéralement. Nous sommes mercredi. Donc le jour où vous aurez cette vidéo, hein, bien sûr. Et demain, comme vous le savez peut-être, le jeu sort enfin de son Early Access Alpha pour arriver en bêta. Wouhou ! Bref, on verra qu'il y a plein de... Enfin... En tout cas, il y a quelques petites règles qui vont changer dans les parties, je ne vous spoile pas. Je vous les expliquerai, j'essaierai de vous les expliquer durant la game. On verra le moment venu, vous inquiétez pas. Ça va se passer comme il faut. On va faire la transition comme il faut. Je suis désolé, je dois avoir du foam core partout sur les doigts et sur les yeux maintenant. Donc ouais, plein de choses qui vont changer demain. Du coup, on verra si les règles que je vais instaurer dans cet épisode seront... perdureront. Donc les règles de ces épisodes seront les suivantes. À partir du moment où j'ai un robot, par exemple, vous voyez ce robot, il a des snipers. Mais il a aussi des mitraillettes, hein, enfin, des petits rayons, des petits canons laser. Quelqu'un qui fait de la marche arrière dans ma rue. À partir du moment où j'aurai rayon laser, là, canon laser, enfin comme vous voulez, et canon plasma. C'est du moment où j'aurai les deux. Oula, où est-ce qu'il est le... Crac. Le problème c'est que je n'arrive pas à viser avec ses canons à lui. Bref, allons-y. À partir du moment où j'aurai ce qu'il faut pour dégommer des tours, en fait, simplement, donc... Je parle là de rayon laser ou de canon plasma. J'irai chercher les tours. Sinon, je me placerai en fonction de la spécialisation. Et en fonction de l'armement que j'ai. Et je m'y tiendrai. Pourquoi je fais ça? Parce que certains d'entre vous se plaignent de ma façon de jouer, que je sois trop offensif. Certains d'entre vous font des remarques tout à fait justes. Hein. Je suis entièrement d'accord avec certains d'entre vous. D'autres ont la manie de me dire que je joue comme une merde ou alors que je suis une merde. Donc rassurez-vous, chers amis, certains de ces messages, vous ne les verrez jamais. Pourquoi? Parce que certains de ces messages partent directement dans les spams YouTube. Faut reconnaître que là, de ce côté-là, YouTube fait un bon boulot en termes d'anti-spam et anti-violence. En tout cas, pour l'instant, sur la chaîne, c'est pas si mal. Crac. J'aimerais éviter qu'il se régène. Merci. Crac, voilà. Donc là je me suis avancé autant, chers amis. Pourquoi? Parce que j'ai une capacité de recul. J'ai mon blink qui peut être là pour me sauver la peau. Ok. Voilà. Donc oui, donc du coup, il y a des insultes qui partent, donc forcément, ce genre d'insultes, je ne les tolère pas sur la chaîne, hein, vous en doutez, chers amis. Vous savez que ce soit contre vous ou contre moi, je corrige ça au plus vite possible. Là, par exemple, je vois des Vogel qui sortent
C'est pas méchant, hein, mais c'est un petit peu trop vulgaire pour parler à des inconnus, je trouve. Du coup, je préfère supprimer les messages. Mais voilà, on va instaurer ces règles, on va essayer de s'y... Tu quelqu'un, non? Il tombe dans son... Qu'est-ce que... Oh non! Je suis passé derrière un caillou, je suis désolé. Un autre. J'ai assez d'armement. On recule. Ah, j'ai pas eu le temps. Bien, bravo. J'ai pas eu le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me considère que je me suis fait baiser par le jeu parce que je suis passé derrière un caillou, il me voyait plus. Hein. Je voyais plus son arme, donc normalement il me voyait plus. Mais bon, c'est comme certaines choses qui changent en ce moment dans Overwatch. Apparemment, certains objets qui étaient destructibles avant ne le sont plus. Indice. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'il y aurait un nouveau personnage? Oui, un nouveau personnage prévu, chers amis, je vous en parlerai rapidement dans les vidéos d'Overwatch. Wow! Cascade! De toute façon, je déteste ces robots de course parce qu'en fait, c'est plus des robots qui... Faut exagérer non plus, merci. Voilà. Voilà, ne reste pas trop en l'air, s'il te plaît. Crac, je vais essayer de me poser par contre moi en l'air. Voilà. Crac. Et au fur et à mesure qu'ils vont monter. Merde. Qu'est-ce que c'est qui me... Ah, tu me saoules, toi, Simone. Merde. Et n'exagérons rien. N'exagérons rien, tu permets. What the fuck? Et donc, il me vise bien à travers les... Il me vise bien à travers les objets, lui, hein. Je sais pas ce que c'est que ce bordel, mais... Alors, soit c'est un glitch... On soit meilleur que ça, chers amis. Merde, j'avais une opportunité de rêve. Oh, je suis mauvais. Hé, je suis tout seul. Est-ce que je pourrais être aidé ou... Apparemment non. Voilà. Oh, ça touche ça. Qu'est-ce que c'est que... Toi, je vais te démonter comme t'as jamais été démonté. Voilà. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, donc nouveau personnage Overwatch, j'en parlerai. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Allez les filles, on y va. Crac. Donc des nouveautés aussi qui arriveront dans les games, on verra ça ensemble, chers amis. Oh. Oh. Il est devenu invisible pour ça.
J'essaie de me placer sur leur point, le snipe. Ah, je suis passé à travers. Merde. Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. On dirait un Gradius. Ou Gladius, je sais plus comment il s'appelle. C'était une carte Yu-Gi-Oh. Oh, et tu veux bien péter, s'il te plaît? Je m'occupe de les sauver. Ou pas. Crac. C'est bête parce que c'est moi qui fais le plus de dégâts à la tour. Oh, qu'est-ce qu'il reste? Putain, il a laissé ça. Il avait laissé trois bouts au sol, le mec. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, on a géré. On a géré, chers amis. On a géré. Je sais pas où est-ce qu'on en est dans le... Bon, je pense qu'on est tout en haut du classement, hein. Soyons honnêtes. Oh, j'ai pas tant de points d'écart que ça avec le reste. Waouh. Bon, bah, branlé, hein. Bon, c'est pas grave. Donc, de toute façon, on sait que ce robot est efficace, hein. On sait que ce robot est efficace. Donc, victoire pour le MMR, chers amis. Ça, c'est cool. On va peut-être gagner quelques points. J'espère qu'on va gagner à peu près 50 points quand même. Ce serait pas mal. Ce serait peut-être pas mal. Vu qu'on en perd à peu près autant à chaque défaite. Donc pour ceux qui se posent la question, je me laisse pousser la barbe. On va attendre un petit peu. Je vais la tailler bien sûr en fonction. Parce que pour la régulariser. Mais 149 points. Bah voilà, ça c'est bon ça. On gagne une étoile en MMR. C'est cool. Bon. Donc ça c'est fait, vous pouvez voir qu'avec ce robot ça fonctionne assez bien. On va essayer d'autres robots, bien sûr, hein. Et on va surtout essayer de rester en vie le plus longtemps possible. Par exemple, je sais que ce robot là n'est pas si efficace, je peux le virer. Voilà, je le vire. Ce robot là, je sais qu'il va pas être efficace non plus. Bien que, il a un tout petit peu de heal et ça m'intéresse ce heal. Ça c'est mon robot, donc ça je le garde pour le moment. J'aimerais partir sur un robot capable de healer, mais capable de faire les... Voilà, ça par exemple, ça m'intéresse, vous voyez. Mais j'ai peur qu'il ait trop de CPU. Donc je vais essayer de partir sur autre chose, je vais le supprimer. On va aller chercher un autre robot heal, chers amis, ensemble. Merci les amis pour ceux qui ont accepté de prendre mon robot. C'est vraiment génial, merci à vous. C'est vraiment sympa. On va essayer de partir sur c'est du nano. Voilà, je veux du heal. Je veux du heal. Je suis pas sûr que ce soit résistant. Apparemment si. Oula. C'est quoi ce truc? D'accord, il se fait tester en ce moment, d'accord. Ça c'est intéressant mais... Il a un EMP module à l'arrière. Alors apparemment il se vend très très bien, on va le prendre, on va l'essayer, il ne coûte rien. On va l'essayer. On en est où dans l'épisode, chers amis? Comme j'ai fait un épisode de Rage la dernière fois, on va partir sur un épisode un peu plus long. Je vais me faire pardonner, chers amis, tant pis, j'aurai un petit peu plus de montage à faire. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai plein de choses à tourner, vous voyez, regardez. J'ai tout ça à tourner aujourd'hui. Si je veux être tranquille, ce week-end, je serai pas là samedi. Par contre, dimanche, si je suis là, on pourra peut-être se faire un live de Robocraft sur la nouvelle... Enfin, normalement, je suis là dimanche, hein. Mais sur la nouvelle bêta. Ça peut être cool. Je vais aussi, je commence aussi à me renseigner, chers amis, pour faire des lives directement sur YouTube. J'aimerais faire un test, ne serait-ce qu'un test, pour voir à quoi ressemble la vidéo enregistrée par YouTube suite au live. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'intéresse. Le seul vrai pépin que j'ai, en fait, c'est que... En fait, je peux pas... Je suis obligé de reparamétrer à chaque fois mon système de tournage pour qu'il fasse le bon encodage suivant le live ou le tournage. Ça, c'est chiant. Donc je suis en train de voir pour soit avoir une deuxième instance... De mon logiciel de tournage pour pouvoir tout régler en fait sur deux instances, vous voyez, ça va être plus rapide. Un peu. Donc, si j'ai pris ce vaisseau, ce robot de heal aussi, c'est pour une autre raison, chers amis. Histoire qu'on reste dans le cadre classique, c'est pour une autre raison, c'est pour la raison suivante, c'est-à-dire que vous m'avez dit que je pars trop en mode YOLO et solo. Et ça, par contre, c'est, vous me le dites pas que dans Robocraft, vous me le dites aussi dans Overwatch. C'est vrai. Je sais bien, chers amis. Et j'en avais parlé dans Overwatch récemment. C'est parce qu'en fait, j'ai eu l'habitude de jouer avec des gens qui n'étaient pas forcément... joueurs au niveau des objectifs, on va dire.
J'en avais parlé sur Overwatch, donc oui, des gens qui n'étaient pas forcément tentés par jouer les objectifs et qui faisaient un petit peu n'importe quoi. Du coup, je partais en solo chercher les objectifs et je faisais un maximum tout seul pour pallier à ce manque de connaissance du jeu, peut-être tout simplement bah, bref, vous savez ce que je veux, vous voyez ce que je veux dire, pour pallier à ce léger manque dans la game et du coup, bah, essayer de gagner à moi tout seul, entre guillemets, si je puis dire. Ça, c'est ce qu'on m'avait dit et c'est ce qu'on m'avait dit aussi l'un d'entre vous qui joue énormément à Overwatch. D'ailleurs, je le remercie de ses conseils parce que je peux vous dire que il est patient, hein. Moi, je suis un peu débile, hein, vous le savez. Il est patient, il me donne des conseils, donc c'est vraiment sympa. Donc, je sais que tu te reconnaîtras, tu veux pas que je dise ton nom parce que tu veux pas être spammé sur Overwatch. Mais merci à toi. Je travaille dessus, chers amis, je travaille vraiment dessus. J'essaie de faire en sorte que je puisse. Double son, d'accord, pourquoi pas. Que je puisse être meilleur pour vous, jouer plus en équipe, et surtout là, avec l'arrivée sur Overwatch des matchs compétitifs de classement, qui arrivent très bientôt, je crois que c'est la semaine prochaine, hein. Là, il va être temps qu'on fasse des choses. Il va être temps qu'on s'y mette à fond. Et donc, on va faire du compétitif dans cette saison. Si je fais du compétitif, ce sera soit en solo queue, soit avec des gens de qui j'ai confiance, chers amis. Donc, ne me demandez pas de faire du compétitif avec vous, c'est pas contre vous. C'est simplement parce que c'est, je peux pas me permettre de faire du compétitif avec des gens dont je ne connais pas le gameplay, vous voyez ce que je veux dire? Faut qu'on ait une certaine synergie entre nous et entre les personnages. Donc je vais trouver un personnage sur lequel je peux. Ben, voilà. Par contre j'ai. Ah, j'ai le bout de ma. Voilà, c'est bon. Crac, on y va. Par contre j'ai l'impression qu'on a. Bon, on verra. On a un AFK déjà ou c'est moi? On a un AFK. Ok. Je vais peut-être faire quelque chose. Crac. Ok. Ok, on est bon. Viens, va papa. Alors, est-ce que ça fonctionne toujours le fait que le clic droit consomme plus? Je ne sais pas. Et je n'ai pas encore utilisé le. J'essaie de me rapprocher de mon copain. Ok, j'ai plus de heal. À l'heure actuelle, je n'ai plus de heal, chers amis. Viens me voir, s'il te plaît. Si tu veux que je te heal, vaut mieux que tu bouges. Hein. Bouge pas de trop. Ah, par contre, il est extrêmement dur à manier, hein, chers amis. Je ne veux pas dire, mais il est extrêmement dur à manier. Je crois que ça sert à rien de voir essayer de choper la tour, les mecs. Hein. Reculez, 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 reculez. Je prends trop de dégâts. Faudrait que vous me couvriez un peu mieux. Ce serait cool. Ah la vache. Je me fais rect! Ah! Ah! T'aurais pu venir me couvrir, merci! C'est un peu tard, mais merci! Par contre, apparemment, le MP se recharge très très vite, ce qui est une bonne nouvelle. Véritablement, hein. T'inquiète, je suis là! Je suis là! Je peux te heal potentiellement.
t'en prie. On va la voir. Si je peux aider mon copain là-bas. Merde ! Ah ! Quel con ! Alors j'ai une touche sur... J'ai un petit peu trop pressé ma touche sur la souris et du coup j'ai gaspillé mon truc. C'est pas grave. Moi qui me fais viser, ça continue. Faudra avancer les mecs. Hein. C'est pas à moi d'aller le chercher. C'est pas à moi d'aller le chercher. Et je peux pas ne pas rester avec mes copines. Passe assez bien. T'inquiète, 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 je suis là. On va essayer de se crouch. Allez les filles. J'en ai pas eu beaucoup, mais... Au secours! J'arrive, 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 copine, j'arrive. J'arrive, copine. Ah, je suis désolé, j'ai essayé. GG. GG. Bon, ça s'est plutôt bien passé pour le coup. Et je suis encore dans le lead. Non, c'est pas possible. Ah, je suis deuxième. Bien joué, statique. Bon, bah voilà. Bon, bah c'était peut-être pas la partie... Dites-moi ce que vous en avez pensé, tiens, de la partie de heal comme ça. Parce que du coup, bah j'ai fait ce que j'ai pu en tant que healer, hein. Mais si ça vous a plu, on en fera un peu plus du heal. C'est vrai qu'on n'a pas fait des masses dans tous les 420 épisodes qu'on a fait, 430 épisodes par exemple qu'on a fait. Donc voilà. Il y aura une nouvelle, alors je précise aussi, chers amis, bon, il y a de l'épique qui tombe. Demain, lors de la bêta, je lancerai une nouvelle playlist. Le jeu passe en bêta. J'ai un légendaire qui est tombé. Cool. Cool, cool, cool. On a du bol. Donc oui. Ah bah génial, 2 étoiles en plus. Il y aura une nouvelle playlist lors de la bêta. Donc pensez-y, attention, je corrigerai tout ça. Pardon. Alors voilà. Une nouvelle playlist qui en fait reprendra tous les épisodes de la bêta. Donc à partir de demain. Donc attention, ne vous trompez pas. J'essaierai de changer ça au niveau de la... Enfin je changerai ça au niveau de YouTube aussi pour que vous voyez bien en avant la playlist de la bêta et pas l'ancienne playlist. En tout cas les amis, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et moi je sais en tout cas que cette vidéo est de meilleure qualité que la vidéo où je rage. Salut.